pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous montrer comment réaliser 3 coiffures hyper facilement et hyper rapidement. C'est parti! Donc pour la première coiffure vous aurez besoin donc d'une brosse et d'un élastique. Donc soit vous prenez des grands élastiques comme ça, soit vous prenez des petits comme ceci. Si vous en avez des petits résistants, je vous les conseille parce qu'en fait ça se verra moins après une fois la coiffure terminée. Donc pour commencer, vous mettez vos cheveux en queue de cheval. Vous pouvez les attacher avec votre élastique. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il vous faut des élastiques qui sont résistants. Une fois votre queue de cheval terminée, vous allez séparer en deux la base de la queue de cheval, juste avant l'élastique, voilà comme ça, et ensuite de dépasser la queue de cheval à l'intérieur, entièrement, comme ça. Et ensuite, vous venez serrer le tout. Voilà, la première coiffure est terminée. Alors, pour la deuxième coiffure, on refait aussi une queue de cheval. Essayez de la faire assez haute. Voilà, donc cette fois-ci vous pouvez prendre un nouveau élastique parce que de toute façon il sera caché. Voilà, donc vous avez votre queue de cheval, assez haute. Ensuite vous aurez besoin d'un bun. Donc le bun, vous pouvez passer la queue de cheval dans le bun. Voilà, comme ceci. Ensuite vous venez mettre vos cheveux sur le bun afin que le bun soit entièrement recouvert de vos cheveux. Avec un deuxième élastique, vous venez sécuriser le tout. Voilà, donc là c'est bien sécurisé. Ensuite, avec les cheveux qui restent, moi je les sépare en deux. Ensuite, j'ai tournicote. Je viens les passer tout autour du bun afin de cacher l'élastique qu'on vient de mettre. Et avec une bobine, une pince bobine comme vous voulez, en fait, je viens sécuriser la mèche afin qu'elle reste bien en place. Donc, je fais la même chose avec la deuxième mèche. La tournicote et je la passe autour du bun. Et je viens aussi la sécuriser avec une bobby pin. Et voilà, la deuxième coiffure est terminée. Enfin, pour la troisième coiffure, vous aurez seulement besoin de deux petits élastiques comme ceci. Donc pour commencer, vous allez prendre deux mèches de cheveux. Voilà. Vous allez attacher ensemble, avec un de vos élastiques. Et on va refaire comme dans la première vidéo, on va passer la petite queue au milieu. Voilà. Et on serre bien à la fin. Voilà. Ensuite, on va refaire la même chose en dessous. On reprend le mèche. L'on va attacher aussi en queue.
Voilà, et là c'est pareil, vous allez aussi venir passer la petite mèche dans le trou. Et venir serrer. Donc soit vous pouvez continuer comme ceci jusqu'au bout de vos cheveux, ce qui est très joli. Moi j'ai décidé de m'arrêter ici parce que je préfère quand j'ai les cheveux lâchés dans la nuque. Donc voilà, la troisième coiffure est terminée. Donc voilà les filles, les trois coiffures sont terminées. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous arriverez à les reproduire. N'hésitez pas à m'envoyer vos photos une fois les coiffures reproduites, ça me fera plaisir de les voir. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé cette vidéo et mettez-moi un petit pouce bleu aussi si vous l'avez aimé, ça m'encouragera et ça montre que vous me soutenez. Et puis bah voilà, jusqu'à la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous, bye bye.